Fachi. Pega. Fachi Fachi. Pega. Fachi Fachi. Pega. Bienvenue. Fachi Fachi. Pega. Fachi Fachi. Pega. Chers compatriotes, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, asseyez-vous, s'il vous plaît. Chef de l'État, je vous prie de vous mettre assis. Écoute, monsieur, vous pouvez parler doucement. Parlez doucement, s'il vous plaît. Arrêtez de crier. Hein. Eh ben, vous allez voir, mais parlez doucement. Merci. OK? C'est quoi ce truc là de merde? Monsieur le Président de la République. Le chef de l'État, au-delà de son agenda, a consacré une partie de celui-ci à pouvoir nous visiter. C'est pour nous, et Excellence Monsieur le Président de la République, au nom de la diaspora congolaise d'Allemagne, nous vous souhaitons chaleureux bienvenue avec la première dame de notre pays. Et avec... Maman Pétion. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous connaissez très bien l'Allemagne pour l'avoir côtoyée à plusieurs reprises. Berlin n'est pas le lieu où se trouve la majorité de nos compatriotes. Ils sont au sud. Et c'est trop loin d'ici. Berlin est aussi éloigné des autres endroits où se trouvent nos compatriotes. Mais ils se sont sacrifiés pour se réunir autour de moi. Bravo! Tous, votre élection à la magistrature suprême de notre pays. Personnellement, autant que je suis témoin des propos que vous tenez avec les puissances étrangères pour le bien de notre peuple. C'est pour cette raison que nous n'avons pas la majorité d'entre eux. Personne n'a ménagé les moyens pour venir se réunir autour de vous.
pour vous dire, Président, nous nous retrouvons au travers de vos propos lorsque vous les parlez tant à Bruxelles, à Washington, en Asie, ou ici aujourd'hui à Berlin, où j'ai été moi-même aussi été témoin. Son Excellence, Maître le Président de la République, nous vous remercions. Tout ce monde est venu aujourd'hui, est venu simplement vous témoigner. La volonté de vous soutenir. L'amour. Nous avons salué lorsque vous avez pris des mesures de dire que le Congolais, même s'il est devenu citoyen d'un autre pays, peut prendre le visa à l'entrée de notre territoire national. Merci papa. Merci papa. Votre élan diplomatique nous a réconfortés. Notre pays a besoin de cela parce que Monsieur le Président de la République, le 15 novembre 1908, notre pays était devenu belge. Et 15 novembre 2019, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes à Berlin, l'endroit où... Au-delà de tout cela, le président a été toujours accessible parce que le président est encore invité à revenir encore ici. Ouais. C'est pour cette raison, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, à cause de votre agenda très chargé, de vous remettre les micros pour nous parler, parce que nous sommes dans la joie de vous écouter à votre avantage, comme on vous écoute à travers les micros. Vive la soirée! Vive la soirée! Après 18h, on ne chante pas. Après 18h, on ne fait pas chanter. Vive la soirée! C'est une grande joie pour moi de me
retrouver parmi vous, comme ça a toujours été une joie de me retrouver parmi les miens partout où je suis passé dans la diaspora. En réalité, mon Dieu, vous êtes toutes et tous les ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Parce que, en plus des missions diplomatiques que le Congo a, je sais que chacune et chacun de vous, là où il est, dans ce qu'il fait, continue de parler des importants qui y sont intervenus. Je vous remercie vraiment infiniment pour tout ce que vous faites pour notre pays. Merci, papa. Aujourd'hui, je voudrais, parce que je sais qu'aujourd'hui, grâce à la magie des réseaux sociaux et d'Internet, vous êtes quasiment au courant en temps réel de ce qui se passe dans notre pays, donc je ne vais pas revenir sur cela, je vous parlerai simplement de ce que je suis venu faire dans votre pays de résidence, d'adoption, pour que vous le sachiez et que vous nous aidiez à concrétiser cela dans les jours, les semaines, les mois à venir. En fait, je suis venu ici parce que ici, ce n'est pas n'importe quel pays. Déjà de par son histoire, cette ville, en 1885, a contribué au sort de l'Afrique. Aujourd'hui, également, Berlin, toute l'Allemagne officielle m'a reçu au nom de la République démocratique du Congo et je suis heureux de vous dire que la réception, l'intérêt et les attentes que l'Allemagne officielle a manifesté à mon égard, mais en réalité à l'égard de la République démocratique du Congo, m'ont tellement ému. Et je suis d'autant plus heureux, comme je vous le disais, ce n'est pas n'importe quel pays ici, c'est le moteur de l'Europe. Si l'Allemagne a décidé de franchir ce pas pour accompagner le Congo dans son développement par la coopération bilatérale, mais également par ses investisseurs qui se bousculent pour l'intérêt qu'ils ont à venir chez nous, ça veut dire que l'avenir de notre pays est à espérer meilleur et radieux. La mission, comme je vous l'ai dit dans mon discours d'investiture, ma mission dans les 5 ans où je serai, je vais présider aux destinées de la République démocratique du Congo, ma mission sera celle de ramener le Congo, notre pays, à la place qui est la sienne. Le Congo a trop souffert de ses divisions. Le Congo a injustement souffert d'une guerre qu'il n'a jamais choisie. Le Congo a souffert de crises politiques incessantes qui ont paralysé son économie. Le Congo a souffert de la corruption
Le Congo a souffert du tribalisme. Le Congo a souffert de la jalousie et de la haine. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Congo est en train de se débarrasser de tous ses vieux démons parce qu'il veut s'inscrire. Entretiens avec l'Allemagne officielle, du président de la République jusqu'au milieu d'affaires, en passant par la chancelière, Madame Merkel, tous les interlocuteurs ont noté ce progrès qu'il y a au Congo, mais également ils se sont engagés à venir nous accompagner dans ce progrès pour nous aider à mettre le Congo sur la bonne orbite, sur la voie du développement. Et moi, je leur ai promis, je me suis engagé en leur disant, venez avec nous. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique.